Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un gros haul Amazon. Alors, il y a une partie pour Chouchou, il y a une partie pour moi. C'est un haul coloriage, voilà. Donc, je vais commencer par qui ? Je vais commencer par Chouchou. Pour ce que je lui ai pris. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Chouchou, pour les nouveaux abonnés surtout, Chouchou, c'est mon mari. Voilà. Alors, attendez, hop, voilà. Comme ça, je suis mieux, plus au milieu. Donc, Chouchou, c'est mon mari. Voilà. Comme ça, vous le savez. Donc, il fait du coloriage également. Lui, il fait surtout du coloriage mystère. Voilà. Donc, je lui ai acheté de nouveaux crayons. Alors, ils ne sont plus dans la boîte. Vous allez les voir après. Voilà. Des nouveaux crayons de couleur. Voilà. Donc, c'est des Artina. Donc, c'est des couleurs coloring pencil professionnels. Voilà. Donc, c'est une boîte où il y a 160 crayons. Je regarde si vous voyez. Oui, ça va. La luminosité est bonne. Donc là, la boîte est vide. Parce que je lui ai acheté des trousses pour ranger les crayons. Et c'est ce qu'il a fait tout de suite dès qu'il a reçu. Donc, ce sont des... Alors, derrière, on a... Voilà. Derrière, on a la... Le nuancier. Voilà. Donc, c'est une boîte en métal. Du coup, il la garde, bien sûr. Comme ça, il va pouvoir ranger les choses qui traînent dans le bureau, dans les tiroirs plutôt, pour le coloriage. Il va les ranger dedans. Alors, il les a rangées. Alors, je crois que c'est dans celle-ci. Je vais vérifier. Parce que je lui ai acheté deux trousses. Alors, la première trousse, c'est celle-ci. Alors, non, ils sont dans l'autre. Je ne sais plus. Celle-là, c'est une combien? Alors, celle-là, c'est une 160. Donc, ils sont rangés dans celle-là. Voilà, c'est une 160. On peut mettre 160 crayons dedans. Alors, je vais vous montrer pour les Artina. Il y a une petite particularité. Je vais vous montrer après. Voilà. Donc, il y a quatre pochettes, enfin, quatre fermetures éclair. Vous voyez, hop. Alors, bon, il s'est gardé le nuancier, il l'a plié en deux, il s'est gardé dedans. Je lui ai acheté également la gomme électrique comme moi j'avais. Du coup, il se l'est mis dedans. Vous voyez. Alors, je vous remettrai en barre d'infos tous les liens de ce que j'ai, ce qu'on a reçu aujourd'hui. Alors, attendez, je vais fermer pour pas faire de bêtises. Voilà. Donc, voilà les crayons. Alors, il y a, vous voyez là, il y a déjà une belle variété de rouge, orange, rouge, jaune. Je referme les fermetures au fur et à mesure, hein, pour ne pas faire de bêtises. Ici, une belle variété de rose et de bleu. Donc, on a un beau nuancier, hein, de couleurs, hein, dans cette, sur cette marque-là. Ici, pareil, une belle palette de vert. Là, quelques verts encore et des marrons.
Voilà. Il y a un doré. Voilà, il y a un doré dans les marrons. Et ensuite, donc la dernière, c'est là où il y a une petite particularité dans cette boîte. Donc ici, il y a le reste des marrons et des gris noirs. Là, pareil, les gris foncés, les noirs. Et voilà la particularité qu'il y a dans cette boîte. Ce sont des crayons gris. Il y en a 10. Ce ne sont pas tous les mêmes. Ils vont du plus gras au plus sec. Voilà. Donc, pour vous, si vous voulez dessiner. Donc, il y en a 10. Donc, les HB, les B, les 6B, les 8B. Après, il y a les 5H, etc. Les 5B. Voilà. Donc là, vous en avez 10. Les 10 tous différents. Donc, pour faire du, si vous faites du dessin, par exemple. Donc, c'est la petite particularité qu'il y a dans cette boîte de crayons. Voilà. Je vais bien refermer sa trousse et remettre son nuancier dedans. Donc, cette boîte de crayons de couleur Artina est très bien pour les petits budgets. Alors, je regarde en même temps hein, sur mon ordinateur pour avoir les prix. Donc je vous dis, c'est une boîte donc de 160 crayons, donc plus les 10 crayons, enfin pas en plus, ils sont avec. Donc il y a 150 crayons de couleur et les 10 crayons gris. Voilà, donc vous les avez, ça coûte 42,99 €. Donc c'est un petit prix pour bien débuter avec une grosse boîte, et vous avez vu, avec quand même pas une belle palette de couleurs. Donc voilà, je remonte la boîte, je vous remettrai en barre d'infos le lien pour retrouver la boîte. Je vous remettrai le lien pour retrouver cette trousse également. Je lui ai pris également une trousse. Donc ça, parce que lui, il a une autre boîte de crayons de couleur, c'est les Castle Art. Donc je lui ai pris cette trousse-là, qu'il a déjà rangée également. Donc là, elle fait 120... 120 crayons, on peut mettre, alors exactement 124, ils disent 120, mais il y a la possibilité d'en mettre 124. Alors je vous montre, alors vous avez la possibilité également, vous voyez, de mettre une gomme, un petit crayon, un gros crayon, là, ou la gomme électrique comme on a mis dans l'autre. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Et donc là, vous avez 3 fermetures éclair. Donc elle est super jolie avec les palmiers, les singes, tout ça. Vous voyez, c'est toute jolie. Voilà. Ensuite, je lui ai repris. Alors, les trousses, je ne vous ai pas dit les prix. Alors, celle avec les singes, elle était à 18,99 €. Et celle avec les étoiles, elle était à 23,99 €. Voilà. Mais bon, de toute façon, comme je vous ai dit, je vous remets bien tous les prix. Hein. La gomme électrique, donc bon, je vais vous montrer la mienne, hein, c'est pareil, c'est exactement la même, c'est celle-ci. Voilà, donc quand vous avez dans le paquet, vous avez également les recharges de gomme, comme ceci.
Voilà, vous avez une boîte supplémentaire avec des gommes de plusieurs tailles. Voilà, donc c'est une gomme comme ça électrique qui fonctionne, quand on dit électrique, mais elle fonctionne avec deux piles. Voilà. Donc on a juste à appuyer. Oui. Juste à appuyer sur le bouton et ça gomme. Voilà. Donc ça, c'est 15,99 €. Ensuite, je lui ai repris une boîte de gel pen. Donc j'ai pris cela. Il y a 108 gel pen. Donc, alors dedans, il y a, est-ce que c'est marqué dessus? Oui. Glitters, néon glitters, métallique, néon, pastel, swirl. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et standard. Voilà. Il n'y a pas d'acide et ils ne sont pas toxiques. Donc, c'est bien. Alors, je vais essayer de vous montrer une partie. Voilà. Donc, ils sont... On peut les déballer comme ça, par rack de 1. Vous voyez. Et donc là, vous en avez 108 dedans. Bon, ça, par contre, il les laisse en boîte. Voilà. Et ça, la boîte de 108, c'était pas très cher. C'était 19,99 €. Voilà. Donc, pour Chouchou, c'était tout. Alors, pour moi, enfin, pour nous deux, si, entre deux, alors, j'avais eu un petit souci. Je cherchais à avoir des éponges pour mon essence sans odeur. J'avais eu la première fois l'éponge comme ceci. Voilà, blanche. C'est ce qu'il y a de mieux pour faire l'essence sans odeur. Et au même vendeur, j'avais recommandé donc une éponge et j'ai reçu ça. Voilà, donc c'est... C'est comme une éponge à vaisselle. Hein. Voilà. Et là-dessus, j'ai essayé l'essence sans odeur. Elle ne fonctionne pas du tout. Ça sèche très vite. Donc, la première fois, j'ai demandé à la renvoyer. Donc, je l'avais payé 3,90 €. Il voulait bien que je la renvoie, mais à mes frais. Donc, ça m'aurait coûté plus cher que le remboursement. Donc, je l'ai gardé. J'en ai recommandé une autre, mais à un autre vendeur. Et, là, normalement, alors, je devais la recevoir dans un emballage avec un carton, un blister, tout. Je l'ai reçu. Donc, bon, là, elle est sous enveloppe, hein, l'autre, puisque je la renvoie. Je l'ai reçu comme ça, pareil, idem, sans emballage, sans rien, pas de blister, rien, et avec la même éponge. Alors que sur l'image, sur Amazon, c'était bien ça. Par contre, le prix n'était pas le même, c'était 6,90 €. Donc là, j'ai redemandé le retour. Là on m'a accepté le retour parce que j'ai dit que ben, en plus il n'y avait pas d'emballage, c'était pas comme sur le site, il n'y avait pas le blister, il n'y avait pas le carton, il n'y avait rien, ça n'avait rien à voir avec ce qui était marqué sur le site. Donc là on m'a accepté le renvoi, on va me rembourser, donc je le mets à la poste demain matin. Mais là pour une éponge j'avais payé 6,80 €, donc je dis il faut pas quand même rigoler. Ça aurait été, j'aurais eu la bonne éponge, c'était tout, hein, je laissais tomber. Donc, bon, là, on va me rembourser, c'est histoire classée. Bon, là, je me retrouve avec une éponge comme ça qui va me servir à rien. Ça y est, je la donnerai à mes petits-enfants.
Je suis allée chez Aldi ce matin après mon médecin faire mes courses et j'ai trouvé ça, les ensembles d'ardoises, ardoises et accessoires. Donc il y a l'ardoise, le feutre pour écrire sur l'ardoise et la fameuse éponge. Donc c'est celle-ci. Hein. Donc j'ai acheté deux lots, c'est pour ça que je vous montre que l'éponge, puisque j'ai déballé. J'ai mis une ardoise au mur dans ma cuisine, comme ça pour marquer mes courses, ça me servira. Celle-là, je vais la mettre de côté hein, quand on en aura besoin. Et ça, je vous le prix, j'ai payé 1,50€ ou 1,60€, un truc comme ça. Pour ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai acheté deux. Pour moi, avoir les éponges, mais bon, les ardoises me serviront de toute façon. Donc voilà. Donc sur Amazon, je ne commande plus d'éponges, hein, c'est pas la peine puisque je ne reçois pas celle que l'on veut. Donc c'est pour l'essence, c'est bien des éponges mousse. C'est ça qu'il faut, c'est ce qu'il y a le mieux. Voilà. Donc, je suis contente, j'ai réussi à avoir mon éponge mousse. Voilà, bon, ça c'était la petite aparté hors Amazon. Oui, et puis j'ai trouvé des gommes comme ça aussi. Je ne saurais plus vous dire le prix par contre. Elles sont vendues par lot de deux. Donc, j'en ai donné une à Chouchou et j'en ai pris une pour moi. C'est les gommes à crayon gris. Donc, mais ça, je ne saurais plus vous dire le prix. C'est pas moins d'un euro, je crois. Voilà, c'est chez Aldi. Alors, maintenant, moi, chez Amazon. Alors, chez Amazon, ça, je l'avais reçu dans la semaine. C'est un feutre Pit Artist Pen Brush de Faber-Castell. Voilà, je vous montre. Mais blanc. Voilà. Pointe blanche, une pointe fine. C'est pour moi faire, ben, si j'ai besoin pour faire des traits blancs hein, dans mes dessins, dans mes coloriages. Et en plus, bon, Faber-Castell, il n'y a aucun souci. Bon, je sais que j'ai déjà des blancs. Hein. J'ai déjà blanc, j'ai déjà celui-là. C'est le Uniball Signo. Blanc, j'ai encore ça, ça. Et bien là, et j'ai ces trois là, voilà. Donc là en blanc, j'ai ce qu'il me faut maintenant. Ça, là, c'est les Jelly Roll, voilà. Je vous remettrai les liens de ceux-là également si vous voulez en barre d'infos. Donc voilà. Donc ça, c'est le Faber-Castell, donc le blanc, le numéro 101. Ensuite, j'ai pris, alors je me remets sur ma page, que je vois bien. Alors, c'est de l'encre à dessiner, voilà, c'est la Winsor & Newton, et c'est de l'encre or, voilà. Donc, certaines qui font le coloriage doivent connaître. On va bien secouer. Voilà. Alors, voilà la couleur. Vous voyez, c'est vraiment bien couleur or. Donc, pour mettre sur vos dessins. Donc, c'est de l'encre. Hein. Donc, vous pouvez le faire au pinceau. Voilà, c'est écrit beaucoup, beaucoup trop petit pour moi, là. Je ne pourrais pas le lire. Il faudrait que je demande à Chouchou de le lire parce que là, c'est impossible pour moi de le lire. Mmh. En même là, attendez. Alors, cette encre doit être agitée avant emploi. Elle peut être diluée avec de l'eau et être... Oh là là. Bon, on se moque pas. Je vois plus clair. J'ai des petits yeux de vieille. Et recommandé
pour une utilisation au pinceau ou la plume. Voilà. Ça y est, j'ai su le lire. Mais je vous jure, c'est écrit tellement petit. Pourtant, j'ai des lunettes. Hein. Donc, voilà. Donc, au pinceau ou à la plume. Donc, ça, je vais essayer. Je sais qu'il y a Joanne. Comment elle s'appelle? C'est Joanna Color, je crois, qui s'en sert beaucoup. Et j'ai dit, je vais essayer. Donc, pareil, je vous mets en barre d'infos. Ça, c'était 9,59 €. Ensuite, alors ça, je vais vous le montrer après, puisque ça va avec ce que je vais vous montrer. Je rêvais de les avoir. Après, bon, là, ce qui est la suite, je rêvais de les avoir. J'ai pas pris la grande boîte, j'ai pas pris la petite boîte, j'ai pris entre les deux. Voilà, j'ai pris entre les deux. Les Neocolor 2, eh oui, je ne les avais pas encore. Donc, j'ai pris la boîte de 40. Non, parce que bah, comme je ne les ai jamais eu, les Neocolor, j'ai dit, bon, je vais d'abord prendre les 40 et après, je rachèterai peut-être individuellement les couleurs qui me manquent un petit peu à la fois. Voilà. Là, j'explique derrière et il y a un nuancier. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez. La possibilité de faire son nuancier là à l'intérieur du carton, donc, récupérer à l'intérieur. Alors, je vais essayer de vous montrer. Il y a Fifi qui arrive sans les faire tomber. Ça sent bon, ça sent la cire. Voilà, donc voilà les couleurs que j'ai. Donc, j'ai déjà de quoi faire. Hein. Non, c'est pas pour toi. Donc là, j'ai déjà quand même un beau nuancier de couleurs pour commencer. Hop, je remets le carton. Et avec ça, j'ai acheté la palette aquarelle Carandache. Voilà, c'est pareil, je la voulais aussi depuis. Alors, pour celles qui ont un petit budget, j'ai vu que à Action, vous pouvez vous acheter. Alors, il y a c'est au rayon cuisine. Hein, rayon cuisine. Vous savez, les trucs comme ça, là, mais pour découper vos tartines, c'est grand comme ça, mais le trou est ici. Il n'est pas là, bien sûr. Le trou est ici. C'est la même couleur, c'est blanc comme ça. Et là, le prix, par contre, il est c'est moins d'un euro. Et donc, si vous cherchez une palette, justement, avec qui soit lisse, comme de ce côté-là, mais qui soit rugueuse, comme ce côté ici, justement, pour les bâtons Carandache ou les choses comme ça. À Action, ils ont donc ces petites planches au rayon cuisine, mais qui sont que rugueuses d'un côté et qui font de moins d'un euro. Donc ça, c'est une petite astuce pour vous éviter d'acheter celle-là qui coûte. Celle-ci, elle coûte. Celle-ci, elle coûte 12,64 €. Vous payez le nom Carandache. Hein. Donc, d'un côté, c'est lisse.
pouvez faire vos aquarelles, toutes les aquarelles. De l'autre côté, c'est rugueux. Là, vous, les textures rugueuses qui permet d'accrocher la couleur. Voilà. Pour les néocolores 2, surtout les muséums aquarelles, les supracolor soft, les prismalo, les technalo. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pour les gouaches, les acryliques, les huiles, les aquarelles. Voilà. Donc moi, je l'ai pris. Surtout pour les néocolores, et je m'en servirai également pour mes aquarelles. Avec ça, donc c'était un lot, il me proposait en lot les carandaches, la tablette, et il me proposait également les pinceaux d'aquarelle. Voilà. Là, j'ai les trois tailles. J'ai les fins. Alors. La fine, moyenne et large, voilà. Les pinceaux à réserve d'eau. Donc, c'est ceux de la marque Pentel Art. Voilà. Donc là, j'ai les trois tailles. Donc, ceux-là, bon, j'en ai déjà. J'ai déjà cette marque-là, ici. Voilà. Ils sont super, ils sont nickels, hein, y a pas de problème. Mais là, du coup, j'aurai les trois tailles. Donc voilà, donc quand j'ai commandé mes carandaches, je pouvais commander le lot complet. Voilà. Ensuite, ah, je vous dis, c'est un gros haul hein, aujourd'hui. Ensuite, je vous avais parlé des pastels d'action qui n'avaient pas de pigmentation pour moi. Ça ne me satisfaisait pas, voilà. Donc, je me suis pris... Oula, il y a Fifi qui passe. Voilà, il y a une queue qui passe. Donc, je me suis pris des pastels tendres. Donc, j'en ai 72. J'ai pris les Faber-Castell. Voilà, tant qu'à faire, hein, quitte à prendre du bon, j'ai pris la bonne marque, voilà. Donc, j'ai le nuancier derrière. Je vais vous montrer. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, j'ai su l'ouvrir tout à l'heure, ah, voilà. Donc, c'est une boîte comme ça. Hein. Donc, dedans, j'ai la petite notice, hein, comme il y a dans toutes les boîtes de Faber-Castell. Voilà. J'ai la liste de tous les bâtons de pastel. Donc, s'il m'en manque, je verrai lesquels qui me manquent. Mais bon. Là, j'ai déjà ce qu'il me faut. Hein. Donc, une petite mousse pour protéger et une petite soie également. Alors, je vais essayer de vous les montrer sans les faire tomber. Voilà. Voilà les couleurs que j'ai. Donc, aujourd'hui, je ne vous fais aucun essai hein, avec ce que j'ai acheté. Je vous montrerai au fur et à mesure des vidéos, des tutos ou des essais que je ferai avec. Donc voilà, il y a de jolies couleurs. Les bâtons, alors je vais vous en montrer un quand même. Hop. Voilà, les bâtons sont comme ceci. Bon, ils ne sont pas très grands, hein, mais bon, ça me suffit, hein. Voilà. C'est des bâtons qui font quoi Attendez, je vais vous dire. Un peu plus de 3 cm de long. Voilà.
les protections. Mais je suis contente. Alors, ça, c'était pas très cher. Enfin, c'est du Faber-Castell, mais c'était pas très très cher. C'était 24,82 €. Ça va. Pour la marque, je trouve que ça n'était pas très cher. Alors, voilà, c'est parce que je veux bien tout remballer. Et le Graal. Le Graal. Alors, ça faisait un moment que je les voulais, donc j'avais mis petit à petit mes sous de côté pour pouvoir me les acheter. Et du coup, là, j'ai pu. Je suis contente. Oui, les polychromos. Ouais, je suis trop contente. J'ai pu aller, enfin avoir mes polychromos. Trop contente. Alors, il y en a qui vont me dire, bah, tu fais, as déjà des boîtes, tu as les Brut Funer, tu as les Castellar, tu as les Prismacolor. Oui. Bah oui. Ils sont beaux. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai dit, oh, ils sont trop beaux. Je vais avoir mal au cœur de devoir m'en servir et de les tailler au fur et à mesure qu'ils vont s'user. Donc pareil, j'ai les petites notices dedans. Alors dedans, il y en a 120. Il y a 120 crayons. Donc pareil, hein, les petites notices, hein, comme d'habitude, que je lirai plus tard. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà. Ça, c'est le premier rack. Ils sont vraiment trop beaux. Alors, je vais vous montrer un crayon. Alors, donc, c'est des crayons qui sont ronds. Voilà. Donc, vous avez une petite bague dorée ici. J'espère que ça ne floute pas. Voilà, là, ça ne floute pas. Vous avez le numéro de référence. Moi, je vois à l'envers. Vous avez... Alors, attendez. Oh là là, je vois plus clair. Hein, mais... Oh, oui, permanent, carmine. Oui, d'accord. Alors, je vais vous mettre dans ce sens-là, alors, parce que je crois que vous le voyez à l'envers, comme je vous l'avais montré. Voilà, vous avez le numéro, vous avez le nom de la couleur, voilà. Et de l'autre côté, donc, je ne vois vraiment plus clair, hein. Made in Germany, Polychromos et Faber-Castell, voilà. Et après, il y a encore une référence là en noir. Donc, voilà les pointes. Ça floute, je veux pas que ça floute. Voilà. Ils sont vraiment super beaux. Donc, ils vont aller en trousse. Parce que j'ai pris des trousses. Alors, je vais essayer de vous montrer les autres couleurs. Voilà, en essayant de ne pas faire tomber. Voilà, ça, c'est les verts. Les verts, les bleus, le début des marrons. Il va falloir que je me fais aussi... Alors, avant de les ranger, je vais faire mon nuancier. Hein. Pas faire la bêtise que je fais d'habitude. Et ça, c'est le dernier rack. Oui. Alors, le dernier rack. Et les trois derniers crayons que vous verrez, c'est l'argenté, le doré et le bronze. Voilà. Hop. Alors, ici, la main qui bouge.
les trois derniers, donc argenté, doré et bronze. Voilà. Ah. Trop beau. Je crois qu'avec mon livre, c'est quel que je devais... Clara Markova. Ça va déchirer. Voilà. Désolée, hein, c'est parce que je veux pas que ça tombe, je veux pas que ça bêtise. Ah non, là, c'est... J'aurais mal au cœur. Donc, voilà. Pour les polychromos. Ensuite, il y a encore... Mais non, après, c'est fini. Alors, il me manque un article. Il me manque une trousse. Elle va arriver qu'après le 15 juillet. Mais bon. Alors, moi, elles ne sont pas remplies encore. Donc, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, elle est en... Alors, attendez. Moi, celle-ci, c'est combien? C'est 120. Donc, celle-ci, elle est pour 120 crayons. Alors... Voilà, je vous montre le premier... Voilà. Donc, pareil, hein, là, je pourrais mettre ma chatte, ma gomme, ou je verrai. Ou rien. Donc, celle-ci. Alors, j'aime bien, au milieu des petites fleurs, je ne sais pas si vous allez voir, c'est il y a du brillant. Mais bon, je ne sais pas. Non, je ne pense pas que vous allez voir. Ensuite... Alors, elle est en pot. J'ai pas pu la trouver autrement. Alors, elle m'a été livrée à part aujourd'hui. C'est un livreur qui me l'a livrée à part aujourd'hui. Donc, c'est 184 emplacements. J'en cherchais un de 180, mais j'ai trouvé 184. Cela, ça va être pour les brutes funèbres. Voilà. Donc, c'est pareil pour l'intérieur. Il y a quatre fermetures éclairs. Voilà. J'en ai marre de toujours enlever les racks comme ça. Au moins, en trousse, ça va être beaucoup mieux. Alors, celle-ci, par contre, je pensais pas qu'elle était aussi grande. Bon, je l'ai vue arriver, j'ai dit, oh, elle est bien grande. Je vais vous montrer par rapport à l'autre. Alors, par contre, elle est trop mignonne. Ah, vous voyez? Avec des petites souris. Mais regardez, elle est beaucoup plus grande en hauteur. Vous voyez? Je ne la voyais pas. Je la voyais pas si grande. Alors, celle-ci, c'est une 160. Alors, celle-ci, je ne sais plus pour lesquelles j'ai pris. Alors, par contre, le système n'est pas pareil. Là, on met... c'est dommage, mais bon, tant pis. On met trois crayons en même temps dans l'élastique. On en met trois à chaque fois. Et là, par contre, vous voyez, il n'y a qu'un seul, une seule fermeture éclair. Alors, ça, c'est peut-être... C'est bien aussi. Voilà. C'est peut-être mieux, mais bon. Et là, j'ai une poche. Et là, j'ai une fermeture éclair aussi. Ici. Et j'ai une petite poignée comme ça. Voilà. Mais j'aime bien, elle est jolie celle-là. Donc celle-là, je ne sais plus pour lesquelles je vais mettre. Parce que j'ai... Alors les brutes funèbres, ça c'est sûr, ça va aller dans la rose. Et après, il y a... Alors 120, ça va aller
Les Castellart vont aller dans celle-ci. Prismacolor, c'est par 150. Parce que celle que j'attends encore, elle est où? Je sais même pas où elle est. Elle est où celle que j'attends? J'en attends une encore de 120. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non. Ah ouais, c'est parce que j'ai mes Enacolor. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3. Et 4. Je ne me suis pas commandé assez de poches. Bon, je ne sais rien, je verrai. Je me débrouillerai. Les Enacolor, je les mettrai une autre fois. Il faudra que je... J'ai les polychromos aussi. Donc, je vais voir comment je vais faire. Ouais, je vais voir. Parce que j'ai les... Ouais, j'ai les 120. 120 et l'autre... J'ai 2 fois 160 et 2 fois 120. Je crois que c'est ça. Ah non, j'ai une fois 180. Je vous embête là. Hein. Une fois 184, une fois 120, 2 fois 120 et une fois 160. Bon, je verrai. Je sais plus. Mais bon. Donc voilà tous les petits achats du moment. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vous intéressent dedans. J'ai mes cheveux qui... Oh, il va falloir que j'y coupe. Qui vous ont intéressé. Bon, s'il y a des choses qui vous intéressent, c'est comme d'habitude, ça se passe en barre d'infos, il y aura tous les liens. Comme je vous ai dit, je vous remets également les liens des autres stylos blancs hein, que j'ai eu avant. Et je vous ferai des vidéos au fur et à mesure avec tous ces articles pour que vous puissiez voir les tutos et puis comment ils colorient. Voilà, exact. Et je vous ferai peut-être, je vous montrerai des dessins que Chouchou aura fait avec ses nouveaux crayons. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne aussi. Voilà, bon, je crois que là, on a fait une grosse vidéo, ouais, 3 quarts d'heure pour la haul. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.